chocolat est fondu. Vous avez vu, c'est très rapide. Je viens le plier comme ceci pour être à l'aise, vous allez comprendre tout de suite. Et je m'en sers comme d'un stylo pour pouvoir dessiner sur notre louche. On vient mettre des glaçons dans un bol d'eau froide. On reprend notre petite passoire, on vient enfoncer ça dans l'eau glacée. On attend un peu, on n'est pas pressé. On va exercer une petite pression, on vient pincer ici et ça s'enlève tout seul. C'est exactement ce qu'on recherchait. On met ça avec le reste. On vient récupérer nos trois bouteilles. Évidemment, j'ai pris trois petites bouteilles pour vous à la maison. Vous pouvez prendre une grande bouteille, la couper en trois, ça marche très très bien. On vient les mettre dans nos trois assiettes. Voilà, on prend nos petits gâteaux, on les casse en deux et on les met à l'intérieur, comme ceci. C'est une méthode pour aller très très rapidement. Voilà, on vient ajouter du beurre, comme ceci. On n'en met pas énormément. On prend notre crème glacée artisanale, il n'y a que des bons produits à l'intérieur. On vient couper comme ça, tout simplement. C'est assez grossier, mais c'est pas besoin d'être plus compliqué que ça. On retire ce qu'on a besoin. Et on met ça au congélateur. Nos trois demi-pêches, on les met dans de l'eau bouillante. On rajoute notre sucre. On récupère nos pêches, bien confites, bien pochées. On vient ajouter du coulis de framboise à la cuillère, comme ceci. On passe ensuite à nos coques. Fait tout à l'heure, rappelez-vous, on les dépose gentiment sur le dessert. Ça donne un joli contraste, elles sont magnifiques. On termine avec des petites amandes effilées sur le dessus, comme ça, pas plus.